Alors aujourd'hui, unboxing de la fourchette Trident avec son nouveau support. Alors mon ami Laurent est en vacances, il m'a prêté sa fourchette Trident qu'il a déjà achetée à Noël avec le support bois. J'ai été un peu jaloux, je l'avoue, j'en ai commandé une avec le nouveau support inox. Et comme ça vous aurez les deux supports de la fourchette Trident et vous verrez le support qui vous convient le mieux. Des petits mots d'accueil qui expliquent la fourchette avec les petits autocollants. La fourchette, magnifique, pèse son poids. On y reviendra sur les caractéristiques. Et enfin, ce tout nouveau support inox. Voilà. Le positionnement dans le support, très très stable, vraiment très joli. J'avais peur que ça brandouille un peu, pas du tout, c'est vraiment magnifique. Plus pratique à dégainer. Alors je m'étais préparé à me laisser pousser la barbe sur les côtés comme ça ici pour vous faire un remix. Mais en fait je crois que j'ai pas assez de tatouages, pas assez de carrures. Bon bah je vais m'abstenir en fait. Mais franchement ça le fait, en main ça le fait. Alors déjà pour revenir un petit peu sur cet objet, sur la fourchette Trident, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a déjà le design. Ce design en forme de corne de taureau qui est franchement plutôt bien réussi, très très bien réussi. Permet vraiment une bonne prise en main. Et d'un point de vue ergonomique, c'est en même temps pour les droitiers et pour les gauchers. D'un point de vue matière, là on est sur de l'acier inoxydable. Le poids, c'est quand même un objet très très lourd. C'est vraiment l'intérêt de cette fourchette, c'est qu'on a quelque chose en main qui est quand même très très costaud. Voilà, on est sur quand même 550 grammes, donc ça pèse son poids. Quand on vous fera des recettes, on vous montrera un petit peu comment fonctionne cette fourchette. Mais déjà, vous voyez, cette dent qui est plus courte sur la fourchette, permet de chevaucher l'os, si vous avez une pièce avec typiquement une côte avec un os au milieu, donc ça permet de chevaucher l'os et de prendre l'os entre les deux dents extérieures. Alors laissez-moi juste vous parler un petit peu de la société qui produit cette fourchette, c'est une société nantaise, et vraiment leur idée c'est d'être dans du full français, dans du made in France total, donc ils ne font appel qu'à des entreprises locales, du côté de Nantes d'ailleurs je crois. Que ce soit pour la fabrication ou la partie marketing, tout est totalement français. D'un point de vue entretien, les fourchettes ne passent pas au lave-vaisselle. Il faut les rincer à l'eau chaude après un chiffon doux. Sur les supports, le nouveau support inox ici, lui passe au lave-vaisselle. Alors ce support bois, il faut le préparer. Il faut le préparer avec une huile. Laurent ne l'a pas passé à l'huile, donc je vais lui passer à l'huile. Alors le prix, là on est sur des produits qui sont environ entre 79 et 99 euros. Donc voilà, certains préfèrent le modèle inox, d'autres préfèrent le modèle bois. À vous de faire votre choix, il y en a pour tous les goûts. En tout cas pour les poulets, pour la côte de bœuf, on a vraiment une bonne prise en main. Contrairement aux fourchettes où on est très très loin de la pièce à découper, ici avec ça, on est très très proche de la pièce et c'est quand même très très pratique. Donc vous verrez ça sur nos vidéos, dès qu'on fera une recette, on utilisera cette fourchette. Alors si vous souhaitez qu'on fasse d'autres présentations d'objets qui tournent autour du barbecue, n'hésitez pas, mettez-nous un petit commentaire et on vous fera ça. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce et on s'abonne.